Les choses sont très différentes de ce qu'elles paraissent. On croit avoir compris le monde qui nous entoure, mais on n'en voit que la façade, les apparences. Avant, j'étais comme vous. Je croyais en l'humanité, aux journaux, à la pub pour la lessive, à la politique, aux livres d'histoire. Un jour, le monde vous saute à la figure, et vous n'avez pas d'autre choix que de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Je m'appelle Lucas Kane. Mon histoire est celle d'un type ordinaire, auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'était écrit. Peut-être que c'était mon destin, mon karma, je ne sais quoi. Une seule chose est sûre maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tout a commencé ici, où d'autres auraient pu arriver. New York, la capitale de l'univers, l'échiquier choisi par le destin pour jouer la partie finale. Je n'étais qu'un pauvre pion menant sa vie de pion, jusqu'à cette nuit où ma vie sombra dans le chaos.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas. C'était comme un rêve. Vite, il faut que je sorte d'ici, avant que quelqu'un n'entre là-dedans. Couteau. Il faut que je m'en débarrasse. Je quitte le quartier avant que la police n'arrive. Que personne ne sorte. Un crime vient d'être commis. Je vais vous demander de garder votre calme et d'attendre l'arrivée de la police pour le contrôle de vos identités.
Doc Steiner, c'est là. Mais pourquoi est-ce que les gens attendent toujours que je sois de service pour s'entretuer en plein milieu de la nuit ? Tyler, il y a des meurtres tous les jours à New York. Ouais, surtout quand je suis de service de nuit. C'est comme si tous les malades de cette ville le faisaient exprès. Si tu veux râler, fais-le à l'intérieur, comme ça, ça m'évitera de mourir de froid en t'écoutant. C'est toi le patron, Carla. En 5 ans dans la police, j'en avais vu des homicides. On ne s'habitue jamais à la mort. On apprend à vivre avec, c'est tout. J'ignore encore aujourd'hui si c'était la fatigue, le froid ou autre chose. Mais je me rappelle très bien le sentiment de malaise qui s'est emparé de moi en entrant dans ce restaurant. Comme si une partie de moi savait que cette fois, quelque chose était différent. Salut, McCarthy. Bonsoir, Carla. Je t'attendais. Salut, Tyler. Ça gaze, Martin ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Homicide. J'ai trouvé un corps dans les toilettes. J'y allais avant de rentrer chez moi. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose ? Non, personne n'a rien vu. On a un suspect ? Un seul client est sorti avant que je trouve le corps. À quelle table était assis le suspect ? Il était assis à cette table, là-bas. Mais qu'est-ce que tu faisais là ? T'étais en service ? Non, j'étais juste là par hasard au moment du meurtre. Je passe souvent ici après le service. Le café de quai était le meilleur de l'East End. Est-ce que le corps est encore là ? Les gars de la morgue t'ont attendu avant de l'embarquer. Personne n'est entré dans les toilettes depuis qu'on l'a trouvé. C'est bien la serveuse là-bas ? Oui, Kate Morrison. J'ai pensé que tu voudrais l'interroger. Et si je peux me permettre, vas-y doucement, Carla. Elle est encore en état de choc. Merci pour ton aide, Martin. Il est tard. Je crois que tu peux rentrer chez toi et aller te coucher. Je vais attendre que tu aies fini avec Kate, si ça t'ennuie pas. Je préfère la raccompagner chez elle. Pourquoi il y a du sang ici ? T'as trouvé quelque chose ? Possible. Je ne comprends pas pourquoi il y a du sang à cet endroit. Ben, ce n'est pas celui de la victime ? Pas logique. Demande à Garrett de l'analyser. On aura la réponse. Pas de trace de lutte. On dirait que le type s'est fait avoir par surprise. Un couteau de table couvert de sang, certainement l'arme du crime. Le meurtrier s'est servi de son couvert pour poignarder la victime. Ça voudrait dire que le meurtre n'était pas prémédité. Tyler, il y a un couteau planqué ici. C'est peut-être l'arme du crime. Préviens Garrett qu'il cherche les empreintes sur le manche et qu'il vérifie le sang sur la lame. Ok. Du sang sur le balai. Le meurtrier s'en est servi pour nettoyer le sang. Pourquoi faire ça au risque d'être surpris ? Je peux savoir ce que tu fous, Tyler. Je cherche des indices, ça se voit pas ?
Est-ce que tu sais si quelqu'un a prévenu la famille? Pas que je sache. Ah, d'accord, j'ai pigé. Je m'en occupe. T'es un mec dans les toilettes. Faut vraiment être cinglé. Ce type a pris un sacré risque. N'importe qui aurait pu rentrer et le surprendre. C'est peut-être bien un règlement de compte. Ou un psycho. Cette ville est bourrée de psychos. Il y en a partout. Tu sais, quand j'étais dans le Bronx, j'ai vu des types qui t'auraient mis... Plusieurs blessures au niveau du thorax gauche, dans la région du cœur. Ça ressemble à des coups de couteau. Bizarre. Quoi? Ben, il a toujours sa carte de crédit et 100 dollars en cash. Le meurtrier n'en voulait pas à son fric, on dirait. Tyler! Ben quoi? C'est des toilettes ici, non? Non, c'est une scène de meurtre. C'est bon, j'ai fini. C'est à cause de tout ce café que j'ai bu pour garder les yeux ouverts. C'est pas courant comme lecture pour un assassin. Garrett, il y a un bouquin sous cette table. Tu peux vérifier les empreintes? Ça sera fait, Carla. Tiens, tiens, le café n'est pas sur l'addition. Une tasse de café et un soda. Bizarre. Un accro à la caféine? Ou alors il n'était pas seul? Faudra que je pose la question à la serveuse. Kate? Je suis l'inspecteur Carla Valenti. Je vais m'occuper de cette enquête. Ça ne vous ennuie pas de répondre à quelques questions? Non. Allez-y.
Vous connaissiez bien la victime ? John était un habitué. Il venait tous les lundis. Il commandait toujours la même chose et il laissait un bon pourboire. Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? Ça fera 11 ans le mois prochain. J'ai vu toutes sortes de choses ici. Des paumés, des junkies, de tout. On s'est fait voler la caisse plusieurs fois. Mais un meurtre, ça jamais. Pauvre John, il était si gentil. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu entrer ? Non, je ne pense pas. On ne peut entrer que par la porte de devant. Si quelqu'un d'autre était entré, je l'aurais remarqué. Comment était-il, Kate ? Vous pensez que vous pourriez me le décrire ? Je ne l'ai vu que quelques secondes. Je crois qu'il était de taille moyenne, assez jeune. C'est tout ce que je me rappelle. Est-ce que John était seul ? Il a parlé à quelqu'un ? John venait tout seul. On a discuté un peu, le froid, son boulot, les sujets habituels. Il ne parlait jamais à personne d'autre. Est-ce que vous savez si la victime avait des ennemis ? Des gens qui auraient pu vouloir sa mort ? John était gentil et sans histoire. Je ne vois pas qui aurait pu vouloir le tuer. Il y avait une tasse de café à sa table. Est-ce que vous vous rappelez si c'est lui qui l'a commandé ? Du café ? Non. Non, je suis sûre qu'il n'a pas commandé de café. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre à la table du suspect ? C'est curieux. Je n'arrive pas à me rappeler. Je me souviens très bien de lui, mais je ne sais plus s'il était avec quelqu'un ou pas. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu ? Il n'y avait pas grand monde ce soir. C'est toujours assez calme en semaine. Je discutais un peu avec Martine au bar. Je n'ai même pas vu John se lever. Oh, mon Dieu. Il faut que vous soyez forte, Kate. Je sais que ça a été un choc pour vous, mais vous êtes la seule à pouvoir nous aider à retrouver le suspect. Mon service était presque terminé. Je discutais avec Martine au bar. John s'est levé et il est allé aux toilettes. L'homme l'a sûrement suivi. Ensuite, il a dû se faufiler discrètement à l'extérieur parce que je ne l'ai même pas vu partir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Martine est allée aux toilettes. Et c'est là qu'il a trouvé John. Vous avez remarqué quelque chose de bizarre chez John ce soir ? Est-ce qu'il avait l'air stressé ou inquiet ? Non, il était exactement comme d'habitude. Il a même plaisanté quand il est arrivé. Vous pensez que vous pourriez reconnaître le suspect ? Je n'oublierai jamais ce visage. Parfait. Est-ce que vous pourriez venir au poste de police demain, pour nous aider à établir un portrait robot du tueur ? Oui. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider à le retrouver. Merci beaucoup pour votre aide, Kate. J'espère que vous allez retrouver ce salaud. Des gens comme ça, ça ne mérite pas de vivre. Je vous le promets, nous allons tout faire pour le retrouver. Rentrez chez vous et essayez de dormir un peu. Martine va vous ramener chez vous. Bonne nuit. Salut Gareth, salut Frank, ça va les gars ? Salut Carla. Salut Carla. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? On a fait quelques prélèvements ici et là. On a pratiquement terminé. On vous attendait pour embarquer le corps et remballer. T'as l'air claqué, Tyler. Ouais, c'est mon troisième service de nuit à la suite. Vous me connaissez, les mecs. Si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis un vrai zombie.
Bah, vous devriez pas en avoir pour trop longtemps. Tu connais pas Carla. Elle est capable de garder tout le monde jusqu'au petit déjeuner. C'est de loin la gonzesse la plus obstinée que je connaisse. Hé, Garrett, Carla voudrait que tu vérifies deux ou trois trucs. T'en fais pas, vieux. Je t'ai déjà tout noté sur ce papier, comme ça, t'oublieras rien. J'étais sûr que Carla nous laisserait pas aller nous coucher comme ça. Tyler, je vais jeter un œil dehors. Bonsoir, monsieur. Oh ! Salut, poupée ! Je peux quelque chose pour toi. Je m'appelle Carla Valenti. Et vous ? C'est quoi votre nom ? Mon nom ? C'est quoi déjà ? Personne ne m'appelle jamais. Alors, à force, j'oublie. Oh, oh, Bogart, mais les copains m'appellent Bogart. C'est parce que je ressemble à ce type dans les films. Vous savez, vous ne devriez pas rester ici. Il fait vraiment froid. Si vous voulez, je peux demander qu'on vienne vous chercher et... Fous-moi la paix ! Je suis bien ici, j'ai besoin de personne. Ok, je vais y aller. Essayez de trouver un endroit chaud. Soyez prudent.
Hé, Carla, je vais jeter un œil dehors, voir si je trouve quelque chose. Salut. Qu'est-ce que tu veux ? Je me demandais, est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu quelque chose d'inhabituel ce soir ? Ah, fous-moi la paix. J'ai rien à dire. Je parle pas aux flics. Super, merci pour votre aide. Vous avez été très utile. Oh non, manquait plus que ça. Cette foutue porte ne s'ouvre pas de l'extérieur. C'est Tyler qui a les clés de la voiture. Je vais voir où il en est. Tyler est mon coéquipier depuis presque un an. Il a grandi avec les gangs dans le Bronx, avant de décider de rejoindre la police. Il est souvent imprévisible, mais c'est un type bien. T'es prêt à y aller, Tyler ? J'ai fait le tour de ce que je voulais voir. T'es sûr ? On peut encore jeter un coup d'œil, si tu veux. Non, c'est bon. On peut rentrer. Ok, on se tire. Il est temps de retourner à la voiture. Je suis crevée.
Ça n'était qu'un horrible cauchemar. Je n'ai tué personne. Je vais me préparer et aller au bureau.